Aujourd'hui, on reçoit Gabriel Schoenberg de l'Institut supérieur d'électronique et de numérique à Lille, en France. Il va venir nous parler de du solitaire. Bonne conférence. OK, super, merci beaucoup. Bon, ça me fait super plaisir d'être ici aujourd'hui en m'en venant puis en parlant avec d'autres. Je me disais, mais ça fait 20 ans que je suis venu ici pour la première fois, 98. Ça fait une couple d'années que je suis pas eu l'occasion de repasser, donc ça fait plaisir de voir quelques vieux visages et beaucoup de nouveaux. Ok, donc j'espère que vous allez apprécier vous aussi. Pardon? Des anciens visages. Ouais. Pas des vieux. Pardon. ce que je veux vous raconter ce midi, c'est bon, ça, vous allez voir, le but c'est d'être assez ludique. Parler du jeu de solitaire, ok. Puis quand on parle de solitaire, il faut faire attention, ce n'est pas le jeu de cartes solitaire, c'est le jeu de en anglais justement solitaire, c'est le jeu de cartes anglais, et celui-ci il l'appelle peg solitaire pour différencier que c'est bien ce jeu-ci. Donc bon, en français ça s'appelle solitaire, je pense aussi. Je sais pas c'est quoi la bonne traduction pour peg. On va appeler ça des pinouches, ok. Donc c'est des pinouches. Bon, je pense que tout le monde connaît ce jeu-là. Tout le monde a déjà tous croisé ce. Oh, ça coupe un peu, c'est pas grave. On va le café. Ce jeu de pinouches, ok. Donc le but du jeu c'est vous commencez avec un plateau qui est rempli de pinouches et puis les pinouches se sautent l'une par-dessus l'autre. Ok, le mouvement de base que vous avez, c'est si vous avez deux pinouches complètes, ok, et un emplacement vide ici, bon, vous pouvez en prendre une, sauter par-dessus une autre, et dans le processus, ces deux-là disparaissent, et à la fin, vous avez une pinouche qui est rendue ici. Ok, donc ça, c'est le mécanisme de jeu de base, et on peut le faire. Bon, typiquement, les grilles sont plutôt carrées, ok, comme ceci. Donc, vous pouvez le faire gauche-droite ou au bas. À chaque fois que vous avez deux pinouches successives et un trou, vous pouvez sauter par-dessus la pinouche. Et à chaque étape, à chaque fois qu'on fait ça, il y a une pinouche qui disparaît. Ok. Donc, le but du jeu, c'est de finir avec le moins de pinouches possible sur le plateau à la fin. Idéalement, avec une seule. Et même, si possible, de la version, idéale, c'est de finir avec la pinouche qui reste ici en plein milieu. Ça, c'est le but ultime. Ok, bon, sinon, quand on joue avec, on se retrouve avec 2-3 sans trop réfléchir. Il y en a 2-3 un peu partout, puis à la fin, on est coincé, puis là, le jeu est terminé. Ok, donc laissez le moins de pinouches possible sur le plateau. On va dire, version officielle, laissez une pinouche en plein milieu. Ok, donc, je vous ai... Bon, ça coupe un peu, c'est pas grave. Apparemment, c'est un jeu qui dont on trouve des traces depuis un certain temps. Ça, c'est la fin des années 1600. Je sais pas si vous voyez ici, il y a un plateau. Donc c'est une gravure d'une noble française de l'époque. Et d'ailleurs, on voit la disposition des pinouches que vous avez ici. On voit donc il y a deux dispositions classiques sur les pinouches. Il y a celle en croix, comme on a ici, et celle où on va rajouter une pinouche supplémentaire dans les quatre petits coins ici. Si vous regardez bien la version qu'on a ici, qu'on va appeler, on va dire, la version française, il y a la petite pinouche supplémentaire, donc c'est plutôt octogonal que en forme de croix en tant que telle. Et puis celle-ci, c'est plutôt la disposition anglaise, ok, donc vraiment en forme de croix, qui est la plus répandue, pour une raison assez claire que vous allez voir dans quelques minutes. Ok, donc ça va, ça c'est l'idée de base. Voici une représentation du plateau de jeu français. Ok, donc ce que j'aimerais vous expliquer, bon, c'est pas tant comment on fait pour réussir de laisser une seule pinouche au bon endroit à la fin. Bon, si ça vous intéresse, vous irez voir sur internet, il y a des techniques assez bon, et on peut apprendre comment faire. Mais c'est plutôt aller raisonner sur l'impossibilité de certaines résolutions. Ok, donc notamment la grille française que vous avez ici. Elle a une propriété assez remarquable, c'est qu'on peut pas la résoudre. Ok, c'est impossible en partant d'une grille pleine avec un trou dans le milieu, en utilisant seulement les mouvements réglementaires, de faire disparaître toutes les pinouches sauf une. Ok, et donc bon, ça peut être un attrape-nigaud si on veut, mais donc on peut arriver à comprendre pourquoi la grille française elle est pas résolue, pourquoi c'est impossible de laisser une seule pinouche sur la grille française. Ok, donc la façon de raisonner, bon, vous voyez ici j'ai mis des 0 et des 1. Une façon de se convaincre que c'est impossible de résoudre la grille française. Ok, donc impossibilité de résolution de la grille française.
c'est avec un argument de parité. OK, donc regardez les... Donc là, on, sur la grille, là, ici, on a mis des 0 et des 1 bien placés. OK, donc on voit, bon, il y a c'est des successions de 2, 1 suivies d'un 0. Et puis les 0, vous voyez, forment des diagonales comme ça sur la grille. Ce qu'on peut aller faire, c'est... À chaque fois, donc, dans une position donnée, allez compter le nombre de pinouches à des positions données et compter 1 quand c'est une position où il y a un 1 et compter 0 quand c'est une position où il y a un 0. OK? Pour avoir une espèce de nombre total pondéré de pinouches présents sur la grille à un instant donné. Donc, si on va compter ce que ça nous fait sur la grille, dans la configuration initiale, OK? Donc, nombre, on va dire, pondéré pour l'instant, faute de meilleurs termes, initial. OK, si vous allez compter le nombre de 1 que vous avez sans le 1 central, si je me trompe pas, ça fait 24. Donc vous avez 3 ici, 4, ça fait 7. On en rajoute 4, on est à 11, encore 4, 15. Et là ici c'est 20 et 24. OK, donc dans la position remplie initiale sans une pinouche dans le milieu, vous en avez exactement 24. OK, et ce que vous souhaitez à la fin, c'est avoir une seule pinouche, on va dire, disons, dans le milieu, pour l'instant, pour fixer les idées. Ça veut dire qu'à la fin, la version résolue, vous aimeriez avoir une seule pinouche là, et donc votre nombre pondéré à la fin devrait être 1. C'est ça? OK. Donc, au fur et à mesure de l'évolution de la partie, votre nombre pondéré de pinouches va passer, en quelque part, de 24 à 1, si vous avez une suite de mouvements qui résout la configuration. Donc, maintenant, regardons un petit peu les mouvements possibles, OK, qui sont... de la forme qu'on avait, OK, une pinouche qui saute par-dessus une autre et la fait disparaître. Donc, si vous regardez, soit vous êtes sur une situation 1-1, et puis vous passez comme ça, vous passez à un 0, OK? Qu'est-ce qui se passe avec votre nombre pondéré de pinouches si vous faites ça? Il diminue de 2, n'est-ce pas? Donc, ces deux-là disparaissent, et puis celle qui apparaît ici, c'est sur un 0, donc ça compte pas. Et donc ici, la variation de votre nombre pondéré, c'est moins 2. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Vous pouvez avoir, vous pouvez avoir un 1, 0, ça va aller sauter sur un 1. OK? Donc là, dans cette situation-ci, votre nombre pondéré de pinouches avant, c'était 1, à la fin, c'est 1 aussi. Donc là, ici, variation nulle. Ensuite, si votre 0 est au début, ben, ça ressemble un peu. Vous allez avoir 0, 1, 1. OK? Variation nulle. Donc là, je l'écris pour les sauts de gauche vers la droite, mais sur les sauts de la droite vers la gauche, c'est les mêmes situations qui se produisent. Pour les situations, les sauts de haut vers le bas, de bas vers le haut, c'est les mêmes configurations qui se produisent. C'est toujours 2, 1 suivi de 1, 0. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'à chaque mouvement légal, votre nombre pondéré de pinouches, ben, il descend soit de 2, soit de 0. Et donc, certainement, la parité ne va jamais changer. OK? Donc, on a ici la conservation de la parité du nombre pondéré. OK? Sur les mouvements légaux, et donc, conclusion, si on ne fait que des mouvements légaux, on n'arrivera jamais à laisser une seule pinouche, en quelque part, à la position centrale sur le plateau. OK? Donc, impossibilité de le résoudre comme ça. Et puis, donc, voyez, ma façon de mettre des poids ici est un peu arbitraire. Qu'est-ce qui fait que les zéros, je les ai mis là et je les ai pas mis ailleurs? On pourrait dire, si on mettait... est-ce que c'est pas possible de laisser une seule pinouche à un autre endroit, à un endroit qui correspond à un zéro? OK? Ce qui ne violerait pas la règle de conservation de la parité du nombre de pondéré de pinouches. Donc, si vous voulez, ouais, ça peut faire un exercice. Je vous laisse réfléchir sur le fait que on pourrait utiliser un autre schéma de pondération en mettant les zéros à des endroits différents pour se convaincre que, essentiellement, peu importe l'endroit que vous sélectionnez sur le plateau, on peut toujours trouver un schéma de pondération où il y a un 1 à cet endroit-là et où cet argument-ci s'applique pour dire c'est pas possible de laisser une seule pinouche à cet endroit-là. OK, donc ceci, c'est un schéma de pondération parmi d'autres. OK, puis avec en modifiant un tout petit peu cet argument-ci, on arrive à se convaincre que c'est impossible de laisser une pinouche à un endroit donné. OK, donc impossible complètement de résoudre cette grille-ci en laissant une seule pinouche. OK, deux peut-être, pourquoi pas, sans doute, j'imagine que oui. OK, mais une, c'est pas possible. OK, donc l'idée qu'on a ici, c'est une idée qui est assez riche. OK, c'est quoi? C'est un invariant qu'on a construit, un invariant sur l'évolution d'une partie. OK, donc peut-être on formalise un tout petit peu. OK, parce que, bon, dans mes supports, ici, j'ai juste des figures. Bon, donc, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire... OK, quelle est la situation? OK, donc, vous avez un ensemble de configurations de plateaux de jeu. Appelons ça, je sais pas, l'ensemble, disons, pose, l'ensemble des positions. OK, c'est l'ensemble des configurations possibles de jeu.
des configurations possibles. Donc essentiellement, c'est selon votre plateau, à chaque endroit, vous dites s'il y a une bille ou une pinouche ou pas à cet endroit-là. Okay? Donc c'est une fonction de l'ensemble des positions dans un ensemble à deux éléments, 0, 1, pour dire il y a une pinouche, il n'y a pas de pinouche, quelque chose comme ça. L'ensemble des configurations possibles. Okay? Donc, notation qu'on va utiliser, si vous avez A et B, deux positions, okay? On va dire quelque chose comme A permet d'accéder à B, ou quelque chose comme ça. Utilisons ça pour dire, je peux passer de la position A à la position B par une suite de mouvements légaux, okay? Par une suite de mouvements admissibles. Si on peut passer de A à B par mouvement Lego. OK? Donc, si on essaie de formaliser un petit peu ce qu'on a fait avec la fonction nombre pondéré de Pinouche sur l'exemple précédent, c'est quoi? Donc, c'est justement, on s'est donné une fonction sur l'ensemble des positions, OK, qui associe à chaque position une quantité, le nombre pondéré de Pinouche. OK, donc un invariant du jeu, ce serait quelque chose comme ce serait quoi? Ce serait une fonction définie sur l'ensemble des positions, donc appelons-la, je sais pas, F. OK, une fonction sur toutes les positions à valeur dans un certain ensemble. Là, pour l'instant, l'ensemble me m'intéresse pas spécialement. OK, donc n'importe quelle fonction qui a la propriété que si je peux passer de A à B, alors la valeur de la fonction reste constante sur les positions. OK, ça c'est ce qu'on veut. OK, donc dans l'exemple qu'on avait juste avant, La fonction à utiliser, c'est pas le nombre de pinouches pondérées, mais la parité du nombre de pinouches pondérées, c'est ça. Ou si vous voulez, le nombre de pinouches modulo 2. Donc dans notre exemple qu'on avait, nombre de pinouches pondérées modulo 2, donc c'était E, si vous voulez, ceux que ça amuse de l'écrire comme ça, on peut dire c'est à valeur dans le corps à deux éléments, si ça vous plaît de dire comme ça, essentiellement les valeurs 0, 1, qui signifie pair ou impair. OK, donc c'est vraiment ça. La parité sur une suite de mouvements légaux, la parité reste constante. OK, donc si vous voulez, écrivez ça pair, impair, ça ne dérange pas. OK, et les invariants, ils sont pas uniques. Déjà, d'après ce que je disais, c'est si on change un peu notre schéma de pondération, on obtiendra une autre fonction. Techniquement, c'est pas exactement la même fonction, qui fonctionne un peu de la même façon, mais qui va donner un invariant différent dans ce sens-ci. OK, et chaque invariant peut nous aider à établir des raisonnements. Et ça va être des raisonnements du type impossibilité de passer d'une position à une autre, exactement en prenant la contraposée de cet énoncé-ci. Si vous avez une fonction invariante comme ça, OK, donc et votre utilité, ça va être de dire si vous avez deux positions pour lesquelles l'invariant n'a pas la même valeur, OK, donc par contraposée, forcément, c'est que ce sera impossible de passer de A à B. OK, et donc c'est exactement ça l'argument qu'on a fait tout à l'heure. Sur la position configuration initiale du tableau français et position souhaitée avec une bille, l'invariant n'a pas la même valeur, et donc c'est impossible de passer de la première à la deuxième. Donc ça, c'est assez plaisant comme façon de penser. OK? Et donc, on pourrait se dire, essayons de généraliser un petit peu, puis d'aller réfléchir un peu mieux. C'est important de noter que ça ne nous aide pas à dire si... Vous voyez, c'est vraiment une implication simple. C'est pas un si et seulement si. Ici, ce serait beaucoup plus difficile de construire des invariants. Si l'invariant a la même valeur, ça ne vous garantit pas que c'est possible de passer de la position A à la position B. C'est juste, il n'y a pas d'objection, il n'y a pas d'obstruction au fait de passer de A à B quand l'invariant a la même valeur. Mais déjà, c'est bien. Okay? Ça permet de faire des arguments ici négatifs, de conclure à l'impossibilité de certaines résolutions. Donc, si on se disait, OK, essayons de construire des invariants un peu plus généraux, je sais pas. OK, parce que là ici ça dépendait du choix des valeurs qu'on a mis ici, les 0 et les 1, placés de cette façon-ci. Donc si on voulait construire des invariants de façon un peu plus systématique. Donc cette idée là d'avoir des nombres de pinouches pondérés, c'est bien. OK, donc allons raisonner sur la nature des poids
qu'on peut mettre, ok, sur les valeurs qu'on peut mettre sur les poids, sur les différentes cases. Donc, le schéma de base, ce serait de se dire, je pense que j'ai ça ici. Ouais. Le schéma de base, ce serait de se dire, ok, plutôt que mettre des 1 et des 0, comme on avait tout à l'heure, 1, 1, 0, 1, 1, 0, allons raisonner sur un schéma un peu plus général où je mets trois valeurs, A, B, C, disposées encore un peu de la même façon, A, B, C, A, B, C, A, B, C, en décalant comme ça de 1 à chaque fois. De façon à ce que, je veux utiliser ça comme étant des pondérations, ok, donc des poids de pinouche. Quand il y a une pinouche à la position A, ça compte comme A dans mon nombre de pinouches pondérées. OK, et je veux fabriquer des invariants. Donc je veux que mes pondérations soient invariantes sous les mouvements de base. Donc ce que ça fait, c'est que si vous avez deux pinouches comme ça en A et B et que vous sautez pour aller en C, avant votre nombre pondéré c'est A plus B, à la fin c'est C, vous voulez que ce soit invariant, ça veut dire que vous voudriez que C soit égal à A plus B, c'est ça? Donc c'est la condition que doivent satisfaire mes poids pour que sur ce type de mouvement-là, le nombre de pinouches pondérées reste constant. On pourrait aussi dire, si on regarde bien les choses, ok, là je l'écris vers la droite, on préfère vers la gauche aussi. Si on fait C, B qui saute au-dessus de A pour aller en C, ok, donc sur mon schéma à gauche du A, j'ai un C aussi. Ça nous dit que ça devrait être aussi égal à B plus A, n'est-ce pas? Ok, donc ça veut dire mes poids, bon, il faut moins que A plus B soit égal à B plus A, sinon je briserais la symétrie qui est entre les mouvements gauche et mouvement droit pour que ça ait du sens. Ok, donc ça c'était en se mettant sur une suite de deux petites pinouches qui étaient sur le A et le B, mais ensuite, en se décalant, on voit qu'on va avoir aussi BC, on peut sauter sur un A dans un sens ou dans l'autre sens. Donc je dois aussi avoir A est égal à B plus C, c'est ça? Donc aussi égal à C plus B. Et puis, si je me décale encore un peu, si j'ai un C et un A, de là, je peux sauter sur un B. Aussi égal à A plus C. OK, donc voici le système d'équations qui doit être satisfait par nos poids, c'est ça? Donc, bon, quelqu'un qui a envie d'être un peu pessimiste va dire, OK, il est bizarre un peu ce système d'équations-là, non? Si on fait la somme, par exemple, si je somme A plus B plus C dans la colonne de gauche, je regarde la colonne du milieu, je vais obtenir exactement 2 fois A plus B plus C, c'est ça? Je conclue que la somme doit être égale à 0. Et puis, si on brasse ça un peu, on voit que... on voit qu'il n'y a pas des problèmes avec ça, non? Ouais, vous voyez, c'est le raisonnement que je suis en train d'essayer de faire, c'est de dire, ici j'ai A plus B plus C est égal à 2 fois A plus B plus C. OK? Donc de là, j'aurais envie de conclure que A plus B plus C est égal à 0. Si A plus B plus C est égal à 0, ça veut dire que si j'isole, je ne sais pas, C en fonction de A et B, ça veut dire que C, c'est moins A plus B, mais c'était déjà égal à plus A plus B, d'après ma première ligne. Et donc, deuxième conclusion, A plus B est égal à 0. Et donc, ça, c'est C qui est égal à 0. Puis, par le même argument, je conclue que A égale B égale C égale 0. C'est ça? OK, donc si on brasse bien les équations dans tous les sens, on conclut ça. Et bon, et c'est un peu dommage, parce que, finalement, on voit que c'est impossible de faire un schéma comme ça de poids qui nous donne quelque chose de non-trivial. Sinon, le nombre de pinouches pondérées, il vaut toujours 0. Mais donc, en faisant cet argument-là, j'ai triché un peu, n'est-ce pas? Parce que dans l'exemple d'avant, on avait un système de poids qui marchait. Qu'est-ce qui marche pas dans cet argument-là par rapport au système de poids d'avant? Vous voyez? Je regarde pas en haut. OK, tout à l'heure, on avait 1, 1 et 0, et puis ça marchait. OK, 1 plus 1 est égal à 0 modulo 2, oui, il n'y a pas de problème. OK, donc dans l'ensemble des parités, il n'y a pas de problème. OK, et ensuite 0 plus 1 égale 1, et puis 1 plus 0 égale 1, donc il n'y a pas de problème. On avait un système de 3 nombres, 3 quelque chose, ABC, qui satisfaisait bien le système d'équation. OK, alors là, je viens de démontrer que c'est pas possible. Donc le problème, c'est où? Le problème, c'est là, n'est-ce pas? OK, notre argument de parité, si on interprète ça comme étant des nombres réels, des nombres complexes habituels, bien sûr, quand vous avez quelque chose qui est égal à 2 fois lui, alors, conclusion, il est égal à 0.
Mais si on les interprète comme étant des choses qui vivent, par exemple, dans l'ensemble des entiers modulo 2, ok, ou sur, dans l'ensemble des parités, ici, ça ne dit rien, on est juste en train de dire, dans notre ensemble, ça, ça fait 0. Deux fois n'importe quoi, ça fait 0 si on travaille modulo 2. On est juste en train de dire, la somme des trois quantités doit être nulle, et c'est tout. Et ça ne pose pas de... ça pose pas de problème spécifique, ok? Donc ça, oui, on avait bien ça, mais dire que la somme est égale à 0, est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. On arrive à se conclure que C est égal à moins A plus B, bon, oui, ok, il n'y a pas de problème, parce que quand on travaille modulo 2, l'opposé de A plus B, c'est A plus B lui-même, donc ça ici, ça pose pas de problème spécifique, donc en fait, dans mon argument, tout marche jusqu'ici, Mais ici, j'ai pas besoin de conclure que A plus B est égal à 0 si je travaille modulo 2. OK, donc jusqu'ici, c'est vrai. Mais bon, donc la conclusion qui est là, OK, elle tient pas si je travaille modulo 2. Donc conclusion, si on veut travailler avec des valeurs un peu numériques comme ça, forcément, il faudra qu'on travaille modulo 2. Sinon, on aura que des systèmes de poids qui sont triviaux. OK, donc admettons ça, et donc là, on voit quels doivent être... Bon, imaginons qu'on a nos poids qui fonctionnent. Si je remets ça dans un tableau, OK, en gros, je sais ce que doit me faire la somme de A, B et C, à peu près dans tous les cas. A plus B, ça doit être C. B plus A, ça doit être C aussi. Je sais aussi que A plus C, en bas, c'est B. C plus A, c'est B. Et ensuite, qu'est-ce que je n'ai pas utilisé? Je peux dire ça ici, B plus C, ça doit être A. Et puis, C plus B, ça doit être A aussi. C'est ça? Donc ça me donne la table d'addition sur mes trois valeurs A, B, C que j'ai. Sachant que on dirait qu'il nous manque quelque chose ici dans le milieu, c'est un peu dommage. Dans notre système d'équations, bon, on s'est convaincu qu'on devait travailler modulo 2. Et donc ici, ce que j'ai, c'est quoi? C'est A plus A. Donc 2 fois A. Et 2 fois A, ben, j'ai envie que ça fasse 0 pour dire que je travaille bien modulo 2. Okay? Parce que 2, ben, ça veut dire c'est pair. Donc, je travaille avec des parités, je devrais avoir 0. Et donc, pour avoir quelque chose de propre, ben, je viens de faire apparaître 0 qui n'était pas non plus présent dans mes poids. Il faudrait que je le rajoute. OK? Donc, dans ma table, pour dire maintenant, je travaille sur 4 éléments. OK? J'ai rajouté le 0. Donc, j'ai mon A, mon B, mon C. J'ai la valeur 0 qui apparaît, on va dire, naturellement dans les équations. OK? On travaille maintenant sur cette table d'addition sur 4 éléments. OK? Et ceux qui ont fait déjà un peu de théorie des groupes reconnaîtront un groupe bien connu, n'est-ce pas? Vous savez? Un groupe à 4 éléments, commutatif, OK? C'est le groupe de Klein qui apparaît ici. OK? Donc, c'est un des groupes à 4 éléments les plus connus. Mais en fait, il n'y en a pas 50 000. Mais donc, celui-ci, il y en a exactement deux. mais donc, c'est celui qui est amusant. OK? Donc, vous avez trois éléments et chacun est la somme des deux autres. OK? Des équations ici, vous voyez, c'est exactement ce qu'on avait là. Chacun est la somme des deux autres. OK? Donc, on voit apparaître comme ça le groupe. C'est ça, ce groupe de Klein. Okay. Comme étant bon, l'ensemble des valeurs avec les poids naturellement prises par notre pondération. OK? Et donc on peut faire ça comme ça. Donc on met trois valeurs, OK, peu importe c'est quoi la nature de A et B, ce qui nous importe c'est la façon dont on les compose. OK? On a nos quatre éléments qui sont ici. On travaille dans cet ensemble là, on sait comment les choses s'additionnent, l'ensemble à quatre éléments 0 ABC, OK, et donc on peut maintenant utiliser ça comme pondération dans nos analyses de jeu du solitaire, OK, et peut-être faire dire des choses un peu plus intéressantes que ce qu'on avait déjà. Donc déjà, OK, on avait dit on va essayer de généraliser notre argument d'impossibilité du tableau français, OK. Maintenant allons regarder qu'est-ce qu'on peut faire si on applique ça au tableau anglais, OK, pour voir qu'est-ce qu'on peut lui faire dire au tableau anglais. OK, donc sans les quatre petits sans les quatre petites valeurs qui étaient là, qui on a vu, bon, ça posait problème pour la résolution. OK, le tableau anglais, c'est possible de le résoudre. Donc allons réfléchir là-dessus avec nos quatre valeurs qui viennent du groupe de Klein pour voir, OK, dans la configuration initiale, quelle est la donc tableau, on va dire anglais, OK, ou standard, quel est le nombre initial? OK, donc là, on peut aller regarder
Il faut compter le nombre de A, le nombre de B, le nombre de C qu'il y a dans la grille initiale. OK, donc c'est tout. Si vous regardez bien les A, il y en a deux là. J'arrive à 6. Là, on en rajoute 5. Il y en a 11. OK, donc nombre initial, c'est 11 A. Vous avez combien de B dans la grille initiale? 4. 5, 6. Plus 4, 10. OK. Et les C, il y a une symétrie entre les C et les A. OK, symétrie diagonale comme ça. Donc, il y a le même nombre de C que de A. Et donc, vous avez 11 C. OK. Donc, ça, c'est le poids total de la grille dans la configuration initiale, sans mettre avec la bille omise ici, dans le milieu, avec la pinouche omise dans le milieu. OK. Donc, ceci, par l'algèbre de ces valeurs, c'est quoi? C'est exactement ça. Okay? Donc, 10 fois la somme, on avait dit, de toute façon, la somme, ça fait 0. Donc, ça, ça s'en va. Il nous reste exactement A plus C. Okay? Et A plus C, ben, d'après notre tableau, A plus C, c'est ici, c'est B. Okay? Donc, on sait que la valeur initiale de la grille, c'est B. Le poids initial de la grille, c'est B. Okay? Et ça tombe bien. Vous voyez, c'est exactement le poids de une bille en plein milieu. Okay? C'est exactement B. Donc, ça veut dire que sur la configuration initiale et sur la configuration où il y a une bille en plein milieu, l'invariant a la même valeur et donc espoir de trouver une résolution qui permet de finir avec une grille dans le milieu. Ouais. Donc, ensuite, si on regarde bien, ben, il n'y a pas des baies seulement dans le milieu. Okay? Donc, si on se dit à la fin, donc là déjà, il y a un raisonnement qui est intéressant de dire, si à la fin, on a une seule bille, okay? Donc forcément, elle sera à une des positions. Le poids de la position finale, ça va être la lettre sur laquelle la bille se trouve. Et pour que ça marche, forcément, il faut qu'à la fin, la bille se trouve sur un B. Okay? Donc, si vous réussissez à résoudre la grille et qu'il vous reste une seule pinouche, ben forcément, votre pinouche est sur un des B de cette grille-ci. Je pense que je l'ai mis en couleur ici. Okay? Donc, ceci, ce sont les seules positions finales admissibles pour une seule pinouche sur la grille. On est forcément sur une des diagonales de B qui est ici. OK? Puis en fait, quand on regarde ça, on se dit, il y a une chose qui est un peu dérangeante, ou bon, qui est un peu dommage, c'est que on a fait cet argument-là ici avec un certain système de poids choisi, qui privilégie une des directions pour la diagonale. On aurait tout à fait pu faire le raisonnement avec le système de poids où les diagonales de B sont dans l'autre sens. Okay? On aurait obtenu une autre conclusion également valable que les seules positions possibles pour une pinouche à la fin de la partie, c'est sur ces B-ci, l'autre système de B. Okay? Donc, conclusion, on doit être à l'intersection des deux, à la fois sur ces diagonales-ci, dans ce sens-là, et sur celle-là. Et donc, à la fin, il vous reste exactement ces cinq positions-là. OK, donc conclusion, si à la fin, il vous reste une seule pinouche sur la grille, elle est forcément à une de ces cinq positions-ci. OK, donc le milieu, a priori, est une position possible, mais vous avez aussi les quatre comme extrémités de... Oh, il y a des choses qui sont un peu déformées, c'est bien. J'ai pas mis la bonne sorte de points, je pense, ici. Vous avez donc exactement les cinq positions qui sont possibles pour terminer la partie avec une seule pinouche. Et puis apparemment, l'anecdote veut que dans une version du jeu vendue dans les années 80, la règle disait, OK, le but du jeu, c'est de terminer avec un B dans le milieu. Si vous finissez avec un B dans le milieu, vous êtes un génie. Et puis si vous terminez avec une bille dans le milieu, vous êtes un génie. Si vous terminez avec une bille dans une de ces positions-ci, qui savaient être les positions aussi a priori possibles, vous êtes, je sais plus comment ils disent, en tout cas, vous êtes pas mal. OK? Si vous finissez ici. OK? Et si vous finissez ici, vous êtes un génie. Mais, si vous regardez bien quelqu'un qui lisait cette règle-là, vous pouvez dire, ben non, quelqu'un qui termine avec une bille dans cette position-ci, soit c'est un idiot, soit il n'a rien compris au jeu. Parce que si on termine avec une bille dans cette position-ci, ça veut dire que le coup d'avant, on avait deux billes comme ça, puis on aurait très bien pu la mettre dans le milieu. OK? Donc soit il a rien compris, puis il a fini par chance à cette position-là, soit effectivement, il a rien compris. Donc, on peut pas dire c'est pas mal, quelqu'un qui finit là, non, c'est pas mal. C'est dommage. Ouais. On pourrait finir ici. C'est ça. OK. Donc ça nous dit... c'est une analyse qui est assez intéressante, qui dit, OK, quelles sont les positions finales possibles pour une bille dans ce jeu-ci. OK, il y a une chose qui est un petit peu dérangeante, OK, c'est l'argument de symétrie qu'on a été obligé de faire. C'est-à-dire, on avait deux systèmes de poids, celui dans ce sens-ci, puis celui dans l'autre sens, OK, et puis c'est en considérant les deux systèmes de poids simultanément que on est arrivé à cette conclusion-là qui est intéressante. Donc, une question qui pourrait se poser, c'est, est-ce qu'on n'est pas capable d'imaginer un système de poids
qui intègre déjà directement cette notion de symétrie-là, symétrie de la grille, pour pas avoir besoin de rajouter ça comme une arrière-pensée, de dire, OK, mais oui, mais il y avait une symétrie, donc on aurait pu faire dans l'autre sens et puis faire l'intersection des deux. Mais dès le départ, avoir un système de poids qui gère, en quelque part, les deux directions dans le même temps. OK, donc, il y a une chose qu'on peut faire, OK, je vous propose, on va faire la chose suivante, c'est de passer un système de poids polynomial. OK, plutôt que d'avoir seulement des valeurs, on va aller se mettre des poids polynomiaux, et vous allez voir que d'une certaine façon, on va régler, bon, pas en une seule étape, mais en deux étapes, on va arriver à régler notre problème de direction privilégiée quand on choisit un système de poids. OK? Donc, l'idée, c'est maintenant, c'est que nos poids, bon, plutôt que d'être juste trois valeurs qu'on choisit comme ça, on va les prendre comme étant des puissances d'un certain poids de base, OK? Dans une grille numérotée d'une certaine façon, disons comme ça. Donc, c'est quelque chose comme je numérote mes lignes, je numérote mes colonnes, et je fais mon certain poids de base, puissance, la somme de I plus J, numéro de ligne, numéro de colonne, en commençant à zéro pour que ça fasse propre ici. OK? Donc, les détails de où on commence, ainsi de suite, c'est pas très important. Mais l'idée, c'est de se donner nous donner un invariant polynomial. OK, qui serait de la forme quelque chose comme une somme sur toutes les positions possibles où il y a des billes, de quelque chose comme un AIJ qui me dit est-ce qu'il y a une bille à cette position-là ou pas, OK, donc un 0 ou un 1, et puis ensuite derrière, mon alpha puissance I plus J, quelque chose comme ça. OK, donc si on voulait mettre en formule, ça ici, c'est les coefficients, si vous voulez, de la matrice qui dit AIJ, c'est 0 ou 1, selon qu'il y a une bille ou pas à cette position-ci. OK? Donc, on aurait une formule comme ça. Et, bon, polynomial en la variable alpha. OK? Et ensuite, on verra peut-être que faire un polynôme avec une variable formelle, ça marche pas, mais qu'en mettant des conditions spécifiques sur le poids, la valeur de alpha qu'on met, on peut faire des choses. OK? Donc, si on fait comme ça, il faut toujours s'assurer, on veut que ce soit un invariant, donc on va s'assurer que notre poids, notre invariant polynomial, il soit préservé sous les mouvements élémentaires. C'est ça? Donc là, OK, si vous regardez bien, en quelque part, il y a deux possibilités. Mouvement, bon, c'est toujours vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers le bas. OK, donc là, ici, on a une symétrie assez forte entre le haut, bas et gauche-droite. OK, donc en gros, c'est juste dans les alpha croissants et dans les alpha décroissants, c'est les deux types de mouvements qu'on peut avoir. Donc, mouvement du premier type, alpha puissance, on va l'appeler comment, je sais pas, n, plus alpha puissance n plus 1. OK, vous avez une bille à la position alpha n, à la position alpha n plus 1, et celle-ci saute par-dessus celle-là pour arriver à droite, et ça doit vous donner alpha puissance n plus 2. C'est ça? Donc cette condition-ci, elle devrait être satisfaite. Et vous avez aussi la même chose dans l'autre sens. Si vous avez une bille en position élevée qui saute par-dessus une en position un peu plus faible, vous devez retrouver à gauche, et ça devrait aussi être égal à alpha puissance n moins 1. C'est ça? Donc déjà, si vous comparez ces deux expressions-là, on constate quelque chose. À droite, vous avez exactement alpha puissance 3 fois celle-ci. OK, donc forcément, il faudra que alpha puissance 3 soit égal à 1. Donc il faut que notre alpha soit une racine cubique de l'unité ou quelque chose comme ça pour que ça marche. Sinon, dans ce type de situation-là, ça ne marchera pas. OK, donc on ne peut pas juste mettre n'importe quoi, ça fait déjà une restriction. Et il faut que cette équation, ces deux équations-là soient satisfaites. OK, donc si vous regardez bien ce que ça fait, disons, si je mets alpha puissance n moins 1 en facteur de la première équation, je vais avoir 1 est égal à, OK, il faut que ce soit vrai pour tout n, donc 1 doit être égal à alpha plus alpha carré. C'est ça, c'est ce que dit l'équation qui est ici. J'ai un alpha carré, un alpha, ça saute par-dessus, ça me fait un 1, alpha puissance 0, OK, facteur de alpha puissance n moins 1. Et si je regarde dans l'autre sens, ce que je vois, c'est mon... si je regarde la deuxième équation, je mets en évidence un alpha puissance n. Cette fois-ci, je conclue que 1 plus alpha doit être égal à alpha carré. OK, et donc ça, c'est les deux équations... nécessaire et suffisante pour que, avec alpha, on obtient vraiment un invariant polynomial. C'est ça? OK? Donc, bon, encore une fois, si on joue avec ces équations-là, on conclurait que si on voulait le faire, si on supposait que alpha était un nombre complexe, la seule possibilité, ce serait prendre alpha égale 0.
Ok, donc ça devrait être une racine cubique de l'unité qui satisfait ces deux choses-là en même temps. Ça pose problème. Disons dans les nombres complexes, si vous regardez bien, je sais pas, alpha carré c'est alpha plus 1. La première équation nous dit aussi que alpha carré c'est quoi? C'est 1 moins alpha, c'est ça? C'est ça? Ok, et donc, bon, si on fait la somme des deux, ça fait quoi? Ça fait 2. Il faudrait que alpha carré soit égal à 1, si on était dans les nombres complexes. Donc alpha serait plus ou moins 1, mais c'est pas une racine cubique d'unité. Sauf si on met 1, ok, mais si on met 1, 1 plus 1 n'est pas égal à 1, ok, donc, bon, donc si on joue un peu avec ça, on voit dans un nombre complexe, par exemple, ça marche pas. Mais si on travaille modulo 2, il n'y a pas de problème. Ok, donc imaginons qu'on travaille dans quelque chose modulo 2 et qu'on trouve un alpha qui satisfait ça. Si je travaille modulo 2, la différence entre plus et moins disparaît, ok? Moins quelque chose est égal à plus quelque chose, ok? Et donc ces deux équations-là, ce sont deux fois la même équation, 1 plus alpha carré est égal à 0. Ok? C'est deux fois la même équation, si on fait pas la distinction entre les plus et les moins, ok? Et là on se dit, bon ben très bien, travaillons comme ceci avec un alpha, ok? Si vous voulez, on peut se dire, ok, c'est-à-dire ça c'est exactement la même chose. Ok, je passe les termes à gauche ou à droite, puisque je travaille modulo 2, ça change pas les signes. Ok, je travaille avec un alpha, tout ce qui doit satisfaire, c'est que alpha carré soit égal à alpha plus 1. Ensuite, si vous vérifiez si alpha carré était alpha plus 1, si je calcule alpha cube, ce sera quoi? Ce sera alpha fois alpha carré. Alpha carré, c'est alpha plus 1. Et donc ça fait alpha carré plus alpha. Et alpha carré plus alpha, d'après ça, ça fait bien 1. Ok, donc il suffit d'imposer mon équation du second degré là pour que ma condition sur le fait que ce soit une racine cubique soit automatiquement satisfaite. Ok, donc en quelque part ceci c'est vraiment la condition. Ok, quand on regarde tout, ceci c'est la condition que doit satisfaire alpha. Ok, bon, mais donc très bien, on travaille avec un alpha qui fonctionne comme ça. Ok, on va vouloir utiliser ça comme des poids. Donc on reprend notre table. Ok, sur nos poids vont fonctionner de façon additive. Voici ce qu'on doit avoir comme table, ok? Donc, si vous regardez, donc, dans les poids possibles, ok, 0, c'est rien. Là, j'ai des 1, j'ai des alpha. Et j'ai dit que, regardez cette valeur-ci, ok? J'ai dit que, non, regardez celle-ci, par exemple, ok? Alpha plus 1, ça doit être alpha carré. Ok? Donc, ici, j'ai mis mon alpha carré. On doit aussi répondre à la question, qu'est-ce que ça fait alpha carré plus 1? Si vous mettez alpha carré plus 1 du même côté, si vous voulez, vous l'isolez ici, ça fait moins alpha, mais moins alpha, c'est comme plus alpha. Ok, donc à chaque fois que vous faites la somme de 2, ça vous donne le troisième. C'est exactement ce que vous dit votre équation ici. Ok, donc, bon, comme ça, on remplit le tableau. Si vous regardez bien, ça nous donne quoi? Ça nous donne exactement le même tableau que celui qu'on avait tout à l'heure, n'est-ce pas? Ok, donc en d'autres termes, les A, B, C qu'on avait tout à l'heure, si on veut, on peut considérer que c'est les 1 alpha, alpha carré qu'on a maintenant, ok, et on reproduit, ok, si vous regardez bien, on a deux petits blocs qui se répètent ici, deux petits blocs qui se répètent là, ok, et on a exactement la même structure sur le tableau qui est ici, les petits blocs, ok, donc c'est une façon de réaliser le triplet d'invariants du groupe de Klein qu'on avait tout à l'heure, maintenant en partant de façon un peu plus polynomiale, ok, donc avec, on a pris des puissances de alpha et ça me donnait quelque chose comme ça. Ok, donc, plutôt qu'avoir des ABC, plutôt qu'avoir des ABC, on pourrait remplir notre tableau maintenant avec des puissances de alpha. Ok? Puis ce qui est amusant, c'est ensuite, c'est d'aller voir, on s'est permis aussi de les multiplier, les alpha, entre eux, ok? Puis ça ne nous a pas posé problème. La table de multiplication, en fait, elle se remplit assez bien. La seule chose vraiment, on va dire, pertinente, la vraiment remarquable qui se passe, c'est ici. Et là, on a fait le calcul. Je multiplie alpha par alpha carré, ben, ça me donne 1. Ok? Ça me donne bien ma périodicité 3 qu'on avait remarqué. Ok, si je passe d'une position à la position 3 plus loin, ça doit être équivalent en termes de poids. C'est exactement ce qu'on avait ici. On voit un 1 ici. Ok, puis si je fais alpha puissance 4, mais c'est alpha puissance 3 fois alpha. Ok, alpha puissance 3, c'est 1. Donc c'est normal qu'il me reste juste un alpha qui est ici. Ok, donc voici maintenant sur nos valeurs de poids. On fait non seulement des additions et des multiplications. Ok, et si vous regardez bien, c'est pas tout à fait évident, mais si on regarde bien, toutes les propriétés des additions, des multiplications standards dans les réels, dans les complexes, sont satisfaites. On peut trouver des inverses multiplicatifs, c'est associatif, commutatif, tout ça. Ok, et donc ça nous fabrique ce que peut-être vous parle comme étant un corps. Ok, on fabrique ici un corps à 4 éléments. Ok, qu'on peut noter comme ceci, F4. Ok, donc vos 4 valeurs 0, 1, alpha et alpha carré ou alpha plus 1, puisque c'est la même chose.
Okay, vous avez un ensemble à quatre éléments sur lequel, en gros, il faut faire toute l'algèbre habituelle, à part le fait qu'il y a seulement quatre éléments et pas une infinité. Bon, ça fonctionne très bien. Okay, donc, bon, moi, je trouve que c'est assez amusant de voir que l'analyse comme ça du jeu de solitaire, ça nous amène naturellement à définir un corps à quatre éléments. Okay, bon, qui pourrait apparaître d'autres façons, mais qui apparaît comme ça de façon assez naturelle ici. Okay, donc, on peut remplir notre grille avec nos valeurs maintenant. Okay, les A, B, C, maintenant, on prend les 1, alpha, alpha carré. Ça remplit la grille comme ceci, et exactement la même analyse qu'on faisait tout à l'heure avec ABC fonctionne avec nos alpha. Bon, donc la seule chose qui est dommage, c'est, je vous avais dit comme motivation, j'avais dit on va essayer de s'affranchir de la direction privilégiée, des diagonales privilégiées, et puis là j'ai fait tout sauf m'affranchir de la direction des diagonales privilégiées, j'ai juste compliqué la situation, maintenant j'ai des puissances d'alpha à la place des ABC. Okay. Donc, si on veut s'affranchir de la direction privilégiée, il faut faire quoi? Il faut dire, arrêtons de considérer gauche-droite et puis haut-bas comme étant la même chose, et utilisons des indices en quelque part différents pour les deux directions. Okay, comme ça, on va gérer les deux en même temps. Donc, le problème, c'est dans ma grille qui est ici, si je me déplace vers la droite ou vers le bas, ben, justement, dans les puissances de alpha, je vois pas la différence. Okay? Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est, ajouter une deuxième variable, bêta. OK, on gère deux variables maintenant, un alpha qui va faire les déplacements horizontaux. OK, donc selon chaque ligne, si vous regardez bien, c'est pour ça que je voulais avoir un projecteur, je voulais pas écrire ça au tableau. Selon chaque ligne, les puissances de alpha sont croissantes. OK, donc les puissances d'alpha nous disent comment ça croît en ligne et les puissances de bêta nous disent comment ça croît en colonne et puis c'est tout. OK? Donc maintenant si on fait le même raisonnement, on voit quoi? Pour avoir un invariant, donc c'est-à-dire maintenant on a un invariant polynomial à deux variables. Ok, sur ma formule en fait j'ai pas changé grand-chose. Tout ce que j'ai fait c'est j'ai pris alpha i et bêta j, quelque chose comme ça. Si mon alpha c'est mon indice de colonne et mon j mon indice de ligne, ok, juste pour que j'ai pas besoin d'effacer. Ok, et pour obtenir bien un invariant, il faut encore s'assurer que selon les deux types de mouvements maintenant gauche-droite et puis au bas, c'est encore bien invariant. Ok, donc c'est les mêmes équations. Donc alpha, il doit satisfaire la même chose que tout à l'heure, cette condition-ci. Et bêta, il doit satisfaire exactement la même condition. Ok, donc maintenant j'ai deux variables, et mes deux variables doivent satisfaire la même équation. Ok, mais a priori, ça n'a pas besoin d'être de prendre deux fois la même variable. Ok, donc si vous mettez ça dans le tableau, ok, on obtient cette grille-ci qui maintenant n'a plus de problème d'axes privilégiés, ok, puisqu'on a bien distingué, bon, il y a les alpha dans un sens, comme on avait tout à l'heure, je multiplie par bêta, j'obtiens cette ligne ici, je multiplie par bêta carré, j'ai cette ligne-là, ensuite bêta cube, je reviens à la ligne initiale, donc on a la périodicité d'ordre 3 dans les deux directions, et maintenant, il n'y a plus de diagonale spécifique qu'on obtient ici. Ok, et si jamais vous voulez spécialiser cet invariant polynomial-là à quelque chose à avec une seule variable, ok, donc si c'est polynomial à deux variables, vous les spécialisez à une seule variable, ben vous faites quoi? Ben vous choisissez, par exemple, une relation entre alpha et bêta. Si pour bêta vous prenez alpha, si je dis pas de bêtises, vous retombez exactement sur le schéma qu'on avait tout à l'heure. Il se passe la même chose dans la direction horizontale et verticale, et on retombe sur le schéma précédent. Mais si par contre vous prenez bêta est égal à alpha carré, ok, c'est peut-être pas tout à fait clair, mais alpha carré satisfait exactement la même relation que alpha satisfait. Ok, donc si vous prenez bêta égale alpha carré, affirmation, cette relation-ci est encore satisfaite. Ok, et si vous faites ça, ce que ça fait, c'est que ça vous fait vos diagonales dans l'autre sens. Ok, comme ça vous réussissez à avoir les diagonales dans les deux sens à partir de cet invariant polynomial comme ça à deux variables. Okay. Bon, ensuite, si on veut utiliser des gros mots, on peut dire quoi maintenant on travaille dans quelque chose comme le produit tensoriel de F4 avec lui-même. Ok, bon, on n'est pas obligé d'utiliser des gros mots, mais si on voulait, on pourrait dire. Ok, donc on a un invariant à valeur là-dedans. Ok, et d'ailleurs, de façon très très pragmatique, je vais terminer là-dessus. De façon très très pragmatique, ça veut dire que si vous regardez bien, ok, donc sur votre configuration initiale de billes, ok, et ça peut s'appliquer à une grille de taille ou de contour quelconque, du moment qu'elle reste comme ça carré en quelque part, ok, donc juste deux directions. Ce qu'on peut faire, c'est avec les relations qu'on a ici,
On voit, OK, à chaque fois qu'on a des puissances de alpha supérieures à 2, on peut l'exprimer comme puissance de alpha inférieure, c'est ça? Et la même chose avec bêta. Chaque fois qu'on a des puissances de bêta supérieures ou égales à 2, on peut les exprimer en termes de puissance inférieure. OK, donc dans votre grille initiale, on dirait, donc il y a la périodicité d'ordre 3 qui est là, mais en fait, on a vraiment besoin seulement d'un petit carré comme ça, 2 par 2, c'est ça? Dans cette grosse expression-ci, toutes les puissances de alpha bêta supérieures ou égales à 2, on peut les réduire à quelque chose de plus petit. Donc, à la fin, il nous reste juste des expressions comme ceci, des nombres de 1, des nombres de alpha, des nombres de bêta et des nombres de alpha bêta, et toutes les puissances supérieures ou égales à 2, on peut toutes les virer et se ramener à ce carré-là ici, 2 par 2. OK? Donc, l'invariant qu'on obtient comme ceci, on arrive, on pourrait appeler ça l'invariant carré. OK? Donc, n'importe quelle grille de solitaire, aura un unique, comme ça, invariant carré qui contient, en gros, derrière, contient quatre coefficients, 0 fois 0,1 fois celui-ci, 0,1 fois celui-là, 0,1 fois celui-là, 0,1 fois celui-là. OK, donc à valeur dans un ensemble à 16 éléments. Mais d'ailleurs, c'est exactement cet ensemble-là, ici. Il y a exactement 16 éléments. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça. Et donc, on peut travailler avec ça nous donne un invariant comme ça qu'on peut appliquer. OK, donc il dépend de l'endroit où on met notre origine en quelque part des axes. OK, donc n'importe quelle grille, vous vous ramenez. De façon pragmatique, c'est très simple. C'est vraiment, vous avez des billes. Si vous en avez deux, vous sautez par-dessus, vous faites de façon en quelque part virtuelle. Vous avez le droit de faire apparaître des paires de billes, si vous voulez, puisqu'on travaille modulo 2, faire disparaître des paires de billes. Ça fait la même chose. OK, et donc là, assez simplement, on arrive à voir ce que ça nous fait dans notre carré. Et bon, ça nous donne un critère qui permet de savoir si il y a une obstruction ou pas à la résolution d'une grille. OK? Bon, donc ensuite, ceux que ça amuse de savoir comment on fait, je vous invite à aller voir dans un livre de théorie des jeux assez célèbre de Conway, Burlecamp et Guy, OK? Donc ça s'appelle Winning Ways, où il analyse un certain nombre de jeux. Il donne une solution du jeu de solitaire classique anglais, comme ça, avec une notion de paquet, OK? Donc, il donne des méthodes pour se débarrasser d'un bloc de billes, OK? Et en raisonnant sur des paquets comme ça, ça nous fait une solution qui est simple à mémoriser. Bon, si ça vous amuse, vous irez voir ça, mais je vous l'ai mis à la fin, ici, là. Ouais, donc, ce livre-là a cette description-là en termes de paquets. Bon, et ensuite, si vous regardez un peu sur Internet, ça, c'est tout des... Apparemment, ça, j'ai pas consulté moi-même, c'est un livre qui a été écrit au complet sur une espèce de monographie sur le jeu du solitaire. Bon, je sais pas trop ce que ça donne, mais ensuite, c'est la référence que tout le monde cite, et donc un paquet de cette discussion-là doit être donné un peu partout. OK, donc vous avez, ça, c'est des pages web assez détaillées d'amateurs, on va dire, qui recensent un certain nombre de choses qu'on peut faire. OK, et notamment, donc là, j'ai pas abordé du tout, si on affaiblit un peu la notion d'invariant pour avoir seulement quelque chose qui, plutôt que de demander que ce soit constant sur la résolution, mais par exemple, décroît ou n'augmente pas sur une résolution, ça permet d'avoir une fonction qui mesure, en quelque part, notre progrès au cours d'une résolution. Et puis, si jamais on veut faire derrière une solution informatique, OK, où on parcourt un arbre de possibilités, ça permet, vous savez, une des choses importantes à faire, c'est couper des branches qui mèneront nulle part, OK? Et ça permet de dire si notre valeur de, non pas d'invariant, mais de fonction décroissante passe en dessous de la cible, on sait qu'on peut arrêter de travailler puisque notre valeur ne va que décroître avec le temps, OK? Donc, on peut utiliser ça pour faire des résolutions un peu systématiques. OK, bon, donc j'arrête là parce que je sais qu'il y en a qui ont des choses à 1h30, OK, donc s'il y a des questions ou quoi que ce soit, je suis bien sûr disponible pour en parler ou d'autres choses. Voilà, merci beaucoup.